Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, c'est un privilège de comparaître au nom de la République d'Afrique du Sud dans cette affaire d'une importance capitale. C'est une affaire qui souligne l'essence même de notre humanité commune. Et comme l'indique le préambule de la Convention sur le génocide, il m'incombe de m'adresser à la Cour au sujet des actes de génocide qui ont conduit à cette demande urgente de mesures conservatoires au titre de l'article 41 du statut de la Cour. L'Afrique du Sud soutient qu'Israël a transgressé l'article 2 de la Convention en commettant des actes qui relèvent de la définition du génocide. Ces actes témoignent d'un comportement systématique dont on peut déduire qu'il s'agit d'un génocide. Permettez-moi de replacer ces actes dans leur contexte. Gaza est l'un des deux territoires constitutifs des territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967. Il s'agit d'une bande étroite d'environ 365 km², comme le montre la carte présentée ici. Israël continue d'exercer un contrôle sur l'espace, les eaux territoriales, les points de passage terrestres, l'eau, l'électricité, la sphère électromagnétique et l'infrastructure civile de Gaza, ainsi que sur les principales fonctions gouvernementales. Comme l'a dit l'honorable ministre, l'entrée et la sortie de Gaza par voie aérienne et maritime sont interdites, Israël gérant les deux seuls points de passage. Gaza, qui est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, abrite environ 2,3 millions de Palestiniens, dont près de la moitié sont des enfants. Au cours des 96 derniers jours, Israël a soumis Gaza, ce qui a été décrit comme l'une des campagnes de bombardement conventionnel les plus intenses de l'histoire de la guerre moderne. Les Palestiniens de Gaza sont tués par les armes et par les bombes israéliennes qui arrivent depuis l'air, la terre et la mer. Ils risquent également de mourir de faim, de déshydratation et de maladies en raison du siège permanent imposé par Israël, de la destruction des villes palestiniennes, de l'insuffisance de l'aide apportée à la population palestinienne et de l'impossibilité de distribuer cette aide limitée pendant que les bombes tombent. Ce comportement rend les éléments essentiels à la vie inaccessibles à ce stade des mesures provisoires. Comme la Cour l'a clairement indiqué dans l'affaire Gambie-Myanmar, il n'est pas nécessaire qu'elle se prononce définitivement sur la question de savoir si le comportement d'Israël constitue un génocide. Il est seulement nécessaire d'établir si au moins certains des actes allégués sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de la Convention. En analysant les actes génocidaires spécifiques et continus qui font l'objet de la plainte, il est clair qu'au moins certains de ces actes, sinon tous, tombent sous le coup des dispositions de la Convention. Ces actes sont documentés en détail dans la demande de l'Afrique du Sud et confirmés par des sources fiables, souvent des Nations Unies. Il est donc inutile et impossible pour moi de les énumérer tous. Je n'en soulignerai que quelques-uns afin d'illustrer le modèle de comportement génocidaire. Les statistiques de l'ONU sur lesquelles nous nous appuyons sont à jour au 9 janvier 2024. Dans les observations orales de l'Afrique du Sud, nous illustrerons les faits sur lesquels
Nous nous appuyons en faisant un usage limité de matériel audiovisuel. Madame la Présidente, nous le ferons avec retenue, uniquement lorsque cela sera nécessaire et toujours dans le respect du peuple palestinien. Dans ce contexte, je vais maintenant démontrer comment le comportement d'Israël viole les articles 2A, 2B, 2C et 2D de la Convention. Le premier acte génocidaire commis par Israël est le massacre des Palestiniens de Gaza, en violation de l'article 2A de la Convention sur le génocide. Comme l'a expliqué le secrétaire général des Nations Unies il y a 5 semaines, les massacres perpétrés par Israël sont d'une telle ampleur que personne n'est à l'abri à Gaza. À l'heure où je vous parle, 23 210 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes au cours des attaques soutenues des 3 derniers mois. Dont au moins 70% seraient des femmes et des enfants. Quelques 7 000 Palestiniens sont toujours portés disparus, présumés morts sous les décombres. Les Palestiniens de Gaza sont soumis à des bombardements incessants où qu'ils aillent. Ils sont tués dans leurs maisons, dans les lieux où ils cherchent un abri, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les mosquées, dans les églises, et alors qu'ils tentent de trouver de la nourriture et de l'eau pour leur famille. Ils sont tués s'ils ne parviennent pas à évacuer les lieux où ils ont fui. Et même lorsqu'ils tentent de fuir en empruntant des itinéraires sûrs déclarés par Israël. Les massacres sont si nombreux que les corps retrouvés sont enterrés dans des fosses communes, souvent non identifiées. Au cours des 3 premières semaines qui ont suivi le 7 octobre, Israël a déployé 6 000 bombes par semaine. Au moins 200 fois, ils ont déployé des bombes de 900 kg dans des zones du sud de la Palestine considérées comme sûres. Ces bombes ont également décimé le nord, y compris les camps de réfugiés. Les bombes de 900 kg sont parmi les plus grosses et les plus destructrices qui soient. Elles sont larguées par des avions de chasse meurtriers qui sont utilisés pour frapper des cibles au sol par l'une des armées les mieux dotées au monde. Israël a tué un nombre inégalé, sans précédent, de civils, en sachant parfaitement combien de vies civiles chaque bombe prendra. Plus de 1 800 familles palestiniennes de Gaza ont perdu plusieurs de leurs membres et des centaines de familles multigénérationnelles ont été anéanties sans aucun survivant. Mères, pères, enfants, frères et sœurs, grands-parents, tantes, cousins, souvent tous tués ensemble. Ce massacre n'est rien d'autre que la destruction de la vie palestinienne. Il est infligé délibérément. Personne n'est épargné, pas même les nouveau-nés. L'ampleur des meurtres d'enfants palestiniens à Gaza est telle que les chefs de l'ONU l'ont décrite comme un cimetière d'enfants. La dévastation, selon nous, est destinée à ravager Gaza et l'a ravagée au-delà de toute justification acceptable, légale et encore moins humaine. Le deuxième acte génocidaire identifié dans la demande de l'Afrique du Sud est l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des Palestiniens de Gaza par Israël.
en violation de l'article 2B de la Convention sur le génocide. Les attaques d'Israël ont fait près de 60 000 blessés et mutilés parmi les Palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants. Et ce, dans des circonstances où le système de soins de santé s'est pratiquement effondré. Je reviendrai plus loin dans mon discours. Un grand nombre de civils palestiniens, y compris des enfants, sont arrêtés, on leur bande les yeux, on les force à se déshabiller et on les charge dans des camions pour les emmener dans des lieux inconnus. Les souffrances physiques et mentales du peuple palestinien sont indéniables. En ce qui concerne le troisième acte génocidaire visé à l'article 2C, Israël a délibérément imposé à Gaza des conditions qui ne permettent pas la vie et qui sont calculées pour entraîner sa destruction physique. Israël y parvient d'au moins quatre manières. Premièrement, par le déplacement. Israël a forcé le déplacement d'environ 85% des Palestiniens de Gaza. Ils n'ont aucun endroit sûr où fuir. Ceux qui ne peuvent pas partir ou qui refusent d'être déplacés ont été tués ou risquent fort d'être tués chez eux. De nombreux Palestiniens ont été déplacés à plusieurs reprises, les familles étant contraintes de se déplacer à plusieurs reprises en quête de sécurité. Le premier ordre d'évacuation donné par Israël le 13 octobre a nécessité l'évacuation de plus d'un million de personnes, dont des enfants, des personnes âgées, des blessés et des infirmes. Des hôpitaux entiers ont été obligés d'évacuer même les nouveau-nés en soins intensifs. L'ordre exigeait l'évacuation du nord vers le sud dans les 24 heures. L'ordre lui-même était génocidaire. Il exigeait des déplacements immédiats en ne prenant que ce qui pouvait être transporté, bien qu'aucune aide humanitaire n'ait été autorisée et que le carburant, l'eau, la nourriture et les autres nécessités de la vie aient été délibérément coupées. L'ordre était clairement calculé pour provoquer la destruction de la population. Pour de nombreux Palestiniens, l'évacuation forcée de leur maison est inévitablement permanente. Israël a aujourd'hui endommagé ou détruit environ 355 000 maisons palestiniennes, laissant au moins un demi-million de Palestiniens sans maison ou retournés. Le rapporteur spécial sur les droits de l'homme des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays explique que les maisons et les infrastructures, je cite, « ont été détruites, empêchant toute perspective réaliste de retour dans leur maison ». Dans le prolongement de la longue histoire des déplacements massifs de Palestiniens par Israël, rien n'indique qu'Israël accepte la responsabilité de reconstruire ce qu'il a détruit. Au contraire, la destruction est célébrée par l'armée israélienne. Des soldats se filment en train de faire exploser joyeusement des immeubles d'habitation et des places publiques entières, d'ériger le drapeau israélien sur les décombres, de chercher à réimplanter des colonies israéliennes sur les décombres des maisons palestiniennes et d'anéantir ainsi la base même de la vie palestinienne à Gaza. Deuxièmement, outre le déplacement des forces, la conduite d'Israël a été délibérément calculée pour provoquer la faim, la déshydratation et l'inanition à grande échelle. La campagne israélienne a poussé les Gazaouis au bord de la famine. Un pourcentage sans précédent de 93% de la population de Gaza est confronté à une situation de crise de famine. Plus de 80% des personnes souffrant actuellement de famine catastrophique dans le monde se trouvent à Gaza.
La situation est telle que les experts prédisent aujourd'hui que les Palestiniens de Gaza risquent de mourir davantage de la famine et de la maladie que des frappes aériennes. Pourtant, Israël continue d'empêcher l'acheminement efficace de l'aide humanitaire aux Palestiniens, non seulement en refusant d'autoriser l'entrée d'une aide suffisante, mais aussi en supprimant la possibilité de la distribuer par des bombardements et des obstructions constants. Il y a 3 jours à peine, le 8 janvier, une mission prévue par les agences des Nations Unies pour livrer des fournitures médicales urgentes et du carburant vital à un hôpital et à un centre d'approvisionnement médical a été refusée par les autorités israéliennes. C'est la 5e fois qu'une mission est refusée depuis le 26 décembre, ce qui prive 5 hôpitaux du nord de la bande de Gaza de fournitures et d'équipements médicaux vitaux. Les camions d'aide qui sont autorisés à entrer sont saisis par les affamés. Ce qui est fourni est tout simplement insuffisant. Madame la Présidente, membre de la Cour, voici une image d'un camion d'aide humanitaire arrivant à Gaza. Troisièmement, Israël a délibérément créé des conditions dans lesquelles les Palestiniens de Gaza sont privés d'abris, de vêtements ou d'installations sanitaires adéquates. Depuis des semaines, il y a de graves pénuries de vêtements, de literies, de couvertures et de produits non alimentaires essentiels. L'eau potable a pratiquement disparu, laissant une quantité bien inférieure à celle qui est nécessaire pour boire, se laver et cuisiner en toute sécurité. En conséquence, l'OMS a déclaré que Gaza connaissait des taux élevés d'épidémies de maladies infectieuses. Les cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans ont augmenté de 2000% depuis le début des hostilités. Combiné et non traité, la malnutrition et la maladie créent un cycle mortel. Le 4e acte génocidaire au titre de l'article 2B est l'attaque militaire d'Israël contre le système de santé de Gaza qui rend la vie insoutenable. Même si le 7 décembre, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé a noté que les soins de santé de l'infrastructure dans la bande de Gaza ont été complètement anéantis. Les personnes blessées par Israël à Gaza sont privées de soins médicaux vitaux. Le système santé de Gaza, déjà paralysé par des années de blocus et par les attaques antérieures d'Israël, n'est pas en mesure de faire face à l'ampleur des blessures. Enfin, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes et des filles a signalé des actes commis par Israël qui relèveraient de la 4e catégorie d'actes génocidaires visés à l'article 2D de la Convention. Le 22 novembre, elle a expressément lancé l'avertissement suivant. Les violences reproductives infligées par Israël aux femmes, aux nouveau-nés, aux nourrissons et aux enfants palestiniens pourraient être qualifiés d'actes de génocide au titre de l'article 2 de la Convention sur le génocide, y compris l'imposition de mesures visant à empêcher les naissances au sein d'un groupe. Israël bloque l'acheminement de l'aide vitale, notamment des kits médicaux essentiels pour l'accouchement. Alors que l'on estime à 180 le nombre de femmes qui accouchent chaque jour à Gaza. Selon l'OMS, 15% de ces 180 femmes sont susceptibles de connaître des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement,
et d'avoir besoin de soins médicaux supplémentaires. Ces soins ne sont tout simplement pas disponibles. Dans une certaine mesure, Madame la Présidente, tous ces actes individuellement et collectivement forment un modèle de comportement calculé de la part d'Israël indiquant une intention génocidaire. Cette intention est évidente dans le comportement d'Israël qui a spécialement ciblé les Palestiniens visant à Gaza en utilisant des armes qui provoquent des destructions, des homicides à grande échelle, ainsi que des tirs ciblés sur des civils. En désignant des zones sûres où les Palestiniens peuvent se réfugier et en les bombardant. En privant les Palestiniens de Gaza de leurs besoins essentiels de nourriture, d'eau, de soins de santé, de carburant, d'installations sanitaires et de communication. En détruisant les infrastructures sociales, les maisons, les écoles, les mosquées, les églises, les hôpitaux. Et en tuant et en blessant gravement et en laissant un grand nombre d'enfants orphelins. Les génocides ne sont jamais déclarés à l'avance. Et ce tribunal a le bénéfice des 13 dernières semaines de preuves qui montrent incontestablement un modèle de comportement et une intention connexe qui justifie une allégation plausible d'actes génocidaires. Dans l'affaire Gambie-Myanmar, la Cour n'a pas hésité à imposer des mesures conservatoires à la suite d'allégations selon lesquelles le Myanmar commettait des actes de génocide à l'encontre des Rohingyas dans l'état de Rakhine. Les faits dont la Cour est saisie aujourd'hui sont malheureusement encore plus graves et comme dans l'affaire Gambie-Myanmar, ils méritent et exigent l'intervention de la Cour. Chaque jour, le peuple palestinien subit des pertes irréparables en termes de vie, de biens, de dignité et d'humanité. Nos fils d'actualité montrent des images graphiques de souffrances qui sont devenues insupportables à regarder. Rien ne pourra mettre fin à ces souffrances si ce n'est une ordonnance de ce tribunal. Sans indication de mesures provisoires, les atrocités se poursuivront, les forces de défense israéliennes indiquant qu'elles ont l'intention de poursuivre cette action pendant au moins un an. Comme l'a dit le sous-secrétaire général des Nations Unies le 5 janvier 2024, je cite, « Vous pensez qu'il est facile d'acheminer de l'aide à Gaza ?» Détrompez-vous. Trois niveaux d'inspection avant que les camions ne puissent rentrer. Confusion et longue file d'attente. Une liste croissante d'articles rejetés. Un point de passage destiné aux piétons, pas aux camions. Un autre point de passage où les camions ont été bloqués par des communautés désespérées et affamées. Un secteur commercial détruit. Des bombardements constants, des communications médiocres, des routes endommagées, des convois visés par des tirs, des retards aux points de contrôle. Une population traumatisée, épuisée, entassée dans un espace de plus en plus restreint, des abris qui ont depuis longtemps dépassé leur capacité maximale. Des travailleurs humanitaires eux-mêmes déplacés, tués. C'est une situation impossible pour les habitants de Gaza et pour ceux qui tentent de les aider. Les combats doivent cesser. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les membres de la Cour, j'en ai terminé avec ma partie consacrée au comportement génocidaire d'Israël. Je vous remercie de votre patiente attention et je vous demande d'appeler l'avocat Nukai Tobi à la tribune pour qu'il s'adresse à la Cour sur l'intention génocidaire.